Oh là là. La gloire, tu es là ou pas? Tu en poses. Je suis là, je suis sur la page en même temps où c'est écrit, c'est mentionné avec tes preuves. Donc, je sais pas comment faire pour t'envoyer. Bon, faut lire. Lire, on va t'écouter. Lire, on t'écoute. Bon, la Je gloire. peux pas, parce que j'ai pas deux téléphones là, tu vois, j'ai pas deux Ah, téléphones. Je ok. suis le Bon, laisse même tomber, c'est pas téléphone. grave. C'est pas grave, laisse Voilà. tomber alors. C'est pas grave. Je suis le Ok. même téléphone. Mais Moi, là, je suis je déjà m'en à réponds. 66 600 euros euros. 66 600 euros. Oui. Qu'elle a acheté la voiture. Oui. Ok. Voilà. Donc, je disais maintenant. Attends, Maman. pardon, Chris, laisse-moi parler. Va là-bas. Concernant le problème d'Apoutchou, là. Hey, Seigneur, laisse-moi parler. Va sur la tablette, Christ. Je me mute. Ok, merci beaucoup. Serge, juste, je t'accorde juste une minute. Hein, si tu peux juste l'expliquer. Quoi, remonte ma soeur. Juste une minute parce que tu as trouvé des gens ici qui vont parler. Serge. Serge, tu peux te démuter, s'il te plaît. J'ai vu ton commentaire. C'est pourquoi je te fais monter vite fait. Serge. Moi, ouais, je suis là, Tina. Voilà, on t'écoute. Oui. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est ça. Vous savez, l'histoire de jeton que Apuchu a montré là. Apuchu, en fait, c'est un gars, il aime zizier de foule, c'est tout. Sinon, le jeton là, comme les gens l'ont signifié, c'est pour Lionel PCS. OK? Et puis, pour justifier là, ça ne sera pas un problème. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, les sites de paris sportifs là, ceux qui jouent les paris sportifs là, même moi, je joue là. On connaît. C'est-à-dire que tu as enregistré avec ton nom, toutes tes références, tout ça. Donc, même si Lionel PCS, il va là-bas, il y a des justificatifs qui sont sur le site que tu peux imprimer et puis montrer. En fait, les sites de paris sportifs, c'est un truc qui est légal. C'est pour ça, souvent, il y a des gens qui vont faire le blanchiment d'argent là-bas. Ils vont jouer des grosses sommes. Et puis, quand le site paye, que ce soit Betclic ou paris sportif, l'argent devient blanc. Mais comme Apoutchou, l'MG de foule, il est parti prendre l'argent du petit. Le PCS, il a flashé le jeton depuis. Hein. Il devait aller acheter une GLE. Mais Apoutchou est parti montrer le jeton. Donc, s'il a montré le jeton que ça a pété aujourd'hui, c'est le petit, ils vont appeler. Mais le problème n'est pas là. Le problème de Apoutchou, c'est que Apoutchou, il a une fondation. Au jour d'aujourd'hui, il a une fondation. Et quand tu montes cet argent-là, les gens ne vont pas chercher à comprendre de savoir l'argent appartient à qui, l'argent est pour qui. On va dire l'argent est pour toi. Donc, si tu as tout cet argent-là, avec ta fondation que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas demander d'aide. Master, Personne excuse-moi, il y a pas quelqu'un d'autre. Voilà. Vas-y. Personne ne peut t'aider puisque tu as montré plus de 200 millions. C'est qui tu vas le voir pour dire que non, tu as besoin d'argent pour ta fondation, pour faire ceci, pour faire cela. En fait, au jour d'aujourd'hui, comme on le dit souvent, c'est quand pauvre a réussi qu'on voit son vrai visage. Et puis, ce n'est pas forcément la faute d'Apoutchou. Hein. Nous tous là, on peut tomber dedans. C'est ça qu'on appelle la folie des grandeurs. Aujourd'hui, Apoutchou, il touche des sommes que lui-même dans sa vie là, il s'est dit qu'il ne pouvait jamais toucher. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui lui donnent des conseils? Non. Nous, franchement, nous ça ne nous intéresse pas. Mais comme il y a un frère qui est passé tout à l'heure qui a dit, autant l'interpeller pour lui dire de faire attention. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on tue les gens pour 1000 francs. On tue les gens pour bon. On tue les gens pour 10 000. Non, ce que tu as montré là, je ne sais pas si quoi il compte. Non seulement il va mettre le petit dans le PCS là, donc problème. Parce que dans le PCS là, il ne joue pas les petits jetons intina. Quand il joue sur les sites de paris sportifs là, il joue 23 millions, il joue 18 millions, il joue 15 millions. Tu cotes 4, tu cotes 5. Quand ça sort comme ça sort 60 et quelques millions. Donc l'enfant là, pour justifier là, c'est rien. Tu comprends, non? Il va sortir tranquille. Mais c'est un petit qui le met dans le problème. Allez regarder le coupon de Nana PCS. Il ne joue pas petit. 10 millions, 20 millions, 23 millions. Si je suis cote 3 là, c'est multiplié par 3. Ça te fait 70 millions et quelques. Ceux qui jouent paris sportifs, ils connaissent. Ceux qui sont là, ils peuvent témoigner, ils connaissent. Moi, j'ai mon Et compte il est en Betclic. Côte d'Ivoire là. Il vit en Côte d'Ivoire, Lionel PCS là. Aïe, la vieille mère, il est en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas aller quelque part, c'est son argent. Moi, comme ça, là, moi, j'ai mon compte Betclic. Quand tu joues là, le paiement maximal là, ici là, c'est 200 000 euros. Donc même si il y a juste 5 euros qui a gagné 200 000 euros là. Qu'il ait flashé ça dans ma maison. Et puis les gens viennent et disent, oui, où tu as enlevé l'argent? Je vais sur mon compte Betclic. Je fais ma compte rendu de retrait. Ça sort. Et tout. On monte puisque c'est légalisé par l'État. Ah oui, il joue au Paris Sportif, c'est son argent. Point barre, ça s'arrête là. Mais comme il aime ziher de foule là, c'est ça qu'il allait faire ça. En tout cas, la CAF fait attention. Vraiment attention. Quand il se tape la patte sur le plus debout, hé, la vieille mère, il y a les gens qui sont debout 40 000 fois que lui, mais ils n'ont jamais flashé. T'as déjà vu Mola flasher? Mola, il donne. Il peut donner 1 million puis s'en va. Mais tu n'as jamais le voir flasher. Que les gens lui donnent des conseils, ou bien sa mère qui lui donne des conseils, ou bien les gens qui l'aiment là, qui lui donnent. Sinon, nous, on s'en fout. Hein. Nous, on est là pour bérer. Ou Apoutchou est là. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent qu'il tombe. Tu comprends? Mais quand tu prêtes le flanc au diable pour qu'il te tape là, il ne va pas te rater. Voilà. Donc, c'était juste pour parler de ça. Maintenant, concernant affaire de voiture ou en paie en espèces là. Et les gars, on n'a qu'à laisser ça. Voiture là, c'est 2 000 euros maximum en espèces. Le reste là, c'est en chèque. Parce que la loi française demande un traçage de chèque. Ah, merci. J'explique, un traçage de chèque. C'est-à-dire que c'est pour protéger tout le monde, que ce soit l'acheteur ou que ce soit la personne chez qui tu vas acheter ou bien toi-même.
Parce que si toi, par exemple, tu vas acheter une voiture quelque part, une voiture d'occasion, je parle vite fait, puis j'arrête. Une voiture d'occasion, tu vas l'acheter par exemple à 5000 euros. Tu donnes 2000 euros en espèces et puis 3000 euros en chèque. Quand tu récupères la voiture, on te dit une garantie de 6 mois. Si avant les 6 mois, ta voiture déconne et que tu rentres en contact avec le gars et puis le gars ne veut pas te décrocher, mais ne veut pas faire quoi que ce soit là, avec le chèque là, quand tu vas à la police, ça va être ce chèque là qu'on trace. Parce qu'il y a son nom, il y a toutes ses références dessus. C'est pour ça qu'on dit à faire des chèques. Sinon, ceux qui disent que vous payez voiture 68 000 euros, en tout cas en France ici, cash là. Tiens, moi, il met ma tête. Il y a pas ma tête. Merci, Tina, après là, tu me donnes ton WhatsApp, j'ai envoyé la preuve. L'intervention. Je ne comprends pas. Je ne peux pas aller là. Oui, vas-y, connais. Attends, la gloire, tu es prête? Oui, oui, non, pardon, moi, au fait, je ne sais pas, il y a quel règlement. Au fait, je descends tout seul, je ne comprends rien, en fait. Ah, je ne sais pas, mais je ne comprends pas, parce que ça doit être réseau. Je t'aime. Tina, il y a des scènes, je suis monté avant quatre personnes, ont parlé avant moi, il y a des scènes. Non, attends, la gloire, elle était allée chercher une preuve. C'est pourquoi elle n'était pas là, elle vient de choses là, d'arriver. Après, la gloire, ça, là, c'est plus connu. Vas-y, la gloire. En fait, ce que Serge a dit là, c'est vrai. C'est de ça que je voulais parler. Il joue des paris. Donc, ici, en Europe, nous savons que les paris, il y a l'argent, ça sort bien. Ça dépend de combien tu paries et combien tu reçois. Tu vois? Et c'est ce que Lionel fait. Mais comme il a dit, c'est Apoutchou qui a le mettre en problème. Parce qu'ils vont demander plein de trucs. Il va faire sortir. Mais Apoutchou n'a qu'à savoir que sur le méta ici, il n'y a même pas sur le méta. C'est que tout est tracé, tout est surveillé. C'est qu'il attire des mauvaises zones vers lui, en fait. Parce qu'il voit ça, là. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. À travers les réseaux sociaux, on peut te faire du mal. Partout, tu seras, on peut te faire du mal. Donc, franchement, il faut qu'il se revoie. Il n'est pas obligé de montrer. C'est vrai que souvent aussi, quand l'argent te surprend, tu vois les gens que l'argent a surpris, là, c'est difficile pour eux de se calmer, en fait. Sinon, quand l'argent ne t'a pas surpris, tu sais d'où provient ton argent, là. Tu sais gérer. Mais quand l'argent te surprend, tu es tellement prouvé, et c'est ce qui va te mettre dans les ennuis. On peut même te tuer pour cet argent-là. Donc, franchement, il faudrait qu'il fasse gaffe à lui, quoi. C'était mon intervention. OK. Merci, merci, la gloire. Merci beaucoup. J'ai pas une demande. Las de Las, vas-y, c'est à toi. Bonjour la famille, comment vous allez? Oui, ça va, merci. Ouais, Dieu merci. Donc, Tina, on parle de la voiture. T'apportes un peu, j'ai pas une demande. T'apportes, j'ai mis tes commentaires tout à l'heure. Oui, vas-y. On parle de l'argent qui a pour toi, comment on appelle ça, à finir là, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Vous savez, Tina, la loi monétaire a ses exigences, quoi. Qu'est-ce que tu vois un peu? Affaire d'argent là, c'est pas affaire simple. Pas parce que j'ai mon argent, j'ai beaucoup de milliards sur mon compte, que j'ai le droit de faire certains détails avec mon argent en espèces. Raison pour laquelle j'ai parlé d'exigence. Simple money gram ou via là, quand tu vas faire tes transactions là, dans l'année là, tu as un quota. Même si tu as un milliard sur ton compte. Les premiers trucs, quand tu nous envoies 100 000 à ta maman, 50 000 à ton oncle, 300 000 à ton grand frère, tu as un quota dans l'année. Dès que tu arrives à ce quota là, dans ton bloc, money gram, RIA, Western Union, c'est ton argent, hein, on sait que c'est pour toi. Souvent, mais tu fais la transaction selon sur ton compte à RIA ou sur ton compte à MoneyGram, un truc comme ça. Tu ne vas pas en espèce même dans l'agence pour aller payer. Tu sors de ton compte à là-bas et puis on fait la transaction. Mais il y a un quota, quand tu arrives, on t'arrête d'abord. Cet argent là, tu fais quoi avec? Cet argent que tu envoies là, c'est pour aller faire quoi avec? Ça va chez qui? Qu'est-ce qu'ils font avec? Parce que tu es arrivé à un quota où tu dois t'arrêter, tu dois t'expliquer avant qu'on te débloque. Ça, je vous explique ça, comme nous tous, on a l'habitude de faire ces genre de petites transactions là. On le sait, on sait comment ça marche. Maintenant. L'argent, c'est pour toi, d'accord. Lionel PCS, là, il joue les paris, il joue 20 000 euros, il joue 15 millions, 20 millions, ça lui revient peut-être souvent à 60 millions, 70 000. Tu comprends? Mais cet argent-là, quand il gagne là, on ne lui donne pas en espèces. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire. On ne lui donne pas en espèces. Non, on lui donne pas en espèces, s'il vous plaît. On ne lui donne pas en espèces. On lui donne un chèque qu'il met sur son compte et on fait la transaction. Ou soit on lui fait un virement. Est-ce que tu vois un peu? C'est son argent. Maintenant, même sa propre banque ne peut pas le permettre d'aller décocher au moins 50 millions un coup. Mais t'as dit tout cet argent-là. Non, attends, j'explique. On vit dans un monde où tout est encadré. Quoi. On ne fait pas ce qu'on veut. Pas parce qu'on a l'argent, on fait ce qu'on veut. Il faut qu'il s'explique. Tu vois, Lantina. Donc, comme c'est ce Lionel PCS, il est en train de charger. Pour lui, c'est son argent, peut-être, je ne sais pas. Même celui-là, même là. L'argent n'a qu'à être pour lui-même. Lui-même n'a pas le droit d'aller retirer 50 millions un coup. Même si l'affaire est claire, qu'il veut faire un business qui est clair, qu'il a prouvé, que voilà, c'est tel business que je veux faire, mais il me faut l'argent, on va le dire, oui, on a compris. Mais dis à tes partenaires de nous envoyer le numéro de compte, on va faire le virement. Est-ce que tu vois un peu? On va pas lui donner l'argent comme ça, non. Il va monter, descendre, c'est blanc, on lui donne pas. C'est son argent, on sait que c'est pour lui, c'est clair, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour tu venir figurer, c'est qu'il a des amis qui ont beaucoup d'argent. Il a des amis au Mali, partout, qui ont beaucoup d'argent. Il a des grands frères qui ont beaucoup d'argent. Lui, il est rentré dans un système où l'argent circule beaucoup, on sait.
Mais venir figure-toi 200 bâtons là, Tina. Il doit expliquer ça, sincèrement. Ça se fait pas. Ce qu'il a fait là, ça se fait pas. C'est-à-dire, naturellement, mais ça se fait pas. Donc la police a le plein droit. Et on vit dans un monde comme la Côte d'Ivoire, où il allait figurer cet argent-là, où il y a la loi qui est là, qui contrôle tout. Donc lui, il doit expliquer cet argent, ça vient d'où? Déjà, même c'est interdit d'exploiter de l'argent comme ça. Même c'est pour toi. Est-ce que tu vois un peu? Donc ce que les gens disent, il faut que les gens comprennent quoi. L'argent, c'est pas parce que j'ai ça, je fais ce que je veux avec. On vit dans un monde où les gens qui ne mangent pas à la faim. Il y a quelqu'un qui a dit ça ici. 1000 francs pour donner à la femme pour aller au marché là, c'est chaud. Voilà pourquoi on interdit aux gens de faire certaines choses avec l'argent. Maintenant, du monsieur qu'on a parlé, on dit Alpha Yaya quoi, qu'il a fait, il a fait ceci, il a fait cela là. C'est vrai, il était entrepreneur, il avait tout, il était député. Mais son geste là, ça l'a coûté son poste. Son affaire d'argent là, ça l'a coûté son poste. S'il n'est pas encore en prison, c'est parce qu'il est député. Lui, s'il n'est plus député, il va en prison pour ça. Le dossier est là, il sait. Lui-même qui est grand quelqu'un là. Il est député actuellement, donc ça le couvre. Le juge n'est pas député, c'est Kaba. Ça se discute même pas. Mais pour le sanctionner d'abord, ça l'a coûté son poste. Je ne sais pas, il était quelque chose de, avec Odiné, il était quoi départemental là. Il était ça aussi. Ça, on peut arracher ça. Ça, on lui a arraché ce poste-là. Maintenant, son côté député, il est dans ça d'abord. Le temps qu'on fasse les élections, s'il n'est plus député là, il va aller s'expliquer devant le procureur. Donc tu vois un peu. Donc Apoutou n'a pas raison, il faut qu'on se dise la vérité. Et puis l'argent, ce n'est pas pour lui. Il ne peut pas avoir cet argent-là. Même s'il est debout, il a commencé quand et où. S'il a eu ça, c'est qu'il y a un problème, Tina. On n'a rien contre lui, hein. Ah, pour du moins, je peux l'appeler sur mon fils. Parce que sa mère et moi, on a le même âge. Parce que tu vois un peu. Donc, ce qu'il a fait, il a fait une grosse. Il a fait une. Où il est, lui-même aujourd'hui, il regrette. Même si on ne lui fait rien, il regrette. Pourquoi il a fait ça? Non, hein, il est sorti là. Quand il est sorti à la police économique, là, quelques heures après, il a mis un poste. Il a dit il est le petit-fils d'Ahmed Bakayoko. Désormais, on n'a qu'à l'appeler le petit-fils d'Ahmed Bakayoko. Puis, il s'est arrêté comme ça. Il dit comme... il est le petit-fils du PA. Il dit il s'appelle Apoutou Ouattara maintenant. Voilà. Et puis, il a fait ses bras-là, comme ça, la démarche. Il dit c'est la nouvelle démarche. Ça veut dire que police criminelle, là, mais quand il est quitté là-bas, tellement, ils n'ont rien fait, même à Apoutou. Non, il est sorti encore pour venir nous montrer que non. L'argent qu'il a montré là, lui, la Côte d'Ivoire n'a rien fait. Lui, il est sorti là-bas, puis il est venu soulever encore ses épaules là pour dire que désormais, il s'appelle comme ça maintenant. Et voilà. Donc, la nouvelle démarche. Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, de Ronava, il y a les uns et les autres. On a plus les mêmes valeurs. C'est-à-dire, la loi ne nous pousse pas de la même façon maintenant. Si c'est toi et puis moi, on ne sont pas. On est d'accord, non? Donc ça veut dire qu'il y a des gens derrière lui, en un mot. Puis je comprends bien, avec l'explication que tu viens de me donner là. Il sort de la police économique et puis il vient s'inventer, c'est ça, non? Voilà. Sinon, ce qu'il a fait. C'est ça. Voilà, donc, ce qu'il a fait là, ça ne se fait pas. Juridiquement, on doit l'arrêter, il doit s'expliquer. Il doit dire, moi, je connais quelqu'un qui vient sur ton live ici, il ne va pas dire son nom. À cause des 100 millions, il a quitté la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont pris ça dans sa maison. Il vient sur ton live ici. Il le connaît, il ne va pas dire son nom. 100 millions de francs CFA. On dit la carte justifiée n'a pas pu. J'ai oublié de le faire public, fait qu'il est à la Côte d'Ivoire. Même demain, le dossier attend là-bas. Il est en Allemagne. Il vient sur ton live ici souvent, mais il n'y a pas dit son nom. 100 millions de francs, c'est pas. Il n'a pas justifié. Il n'a pas pu justifier. C'est l'ami de mon petit frère. L'argent a été bloqué. Ok. Lui, on voulait le mettre en prison, il a fui. Donc, si Apoutou lui fait ça, puis il vient s'inventer. C'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc, tu n'as jamais arrêté là. Hein? Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon grand frère. Connaissez à toi, la soeur. Vous pensez que c'était bonsoir à tous. Je vais dire là, c'est des conseillers à Apoutou quoi. Là, c'est excuse-moi, il y a trop de demandes là. Oui. Le nom qu'il cherchait, la DA, non. Oui, moi, Eric m'a quel... dit là, vas-y, connais. Je ne sais pas c'est quel nom il cherche, je ne sais pas c'est quels yeux il cherche. La DA, non, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît. Tu peux me dire ça là. Donc, je ne sais pas c'est quel nom il cherche. Quand il a fait sa vidéo là, même dans les commentaires, quand tu vas dans les commentaires, ses abonnés n'étaient pas d'accord avec lui. Même quand tu vas dans les commentaires, les gens écrivaient Blé Brigitte, faut donner conseil à ton enfant. Hein. Faut donner des conseils à ton enfant. Hein. Vraiment, moi, je ne sais pas c'est quel jeu il est en train de chercher parce qu'il risque de se mettre dans les problèmes, quoi. Donc, moi, ce que moi, j'ai à dire, c'est qu'il se revoit, au fait. Il n'a pas essayé de se revoir parce que si c'est non, il a déjà non. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Apoutou. Donc, c'est mieux. Si tout le monde sait qu'actuellement, Apoutou, là, il est debout. Il a l'argent. Il n'a pas besoin même de venir prouver à qui que ce soit. Il a, même s'il n'a pas l'argent en tant qu'État, il se suffit. Donc, il n'a pas besoin de venir prouver quoi que ce soit. C'est moi, c'est que le seul conseil que moi je peux lui donner, c'est de se ressaisir, quoi. Parce qu'il a DA, non. Il a DA, non. Donc, on le connaît, tout le monde le connaît, les DA stars. Donc, il ne sait pas c'est quelle star manière il cherche encore. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ok. Merci, la soeur qu'on est, merci. Eric Renaud, c'est à toi, après, c'est à la soeur Dick. Eric Renaud, tu es là? Bon, je suis là, Tina, je suis là. Oui, ok. En fait,
Vous savez, on a qu'à apprendre quand même. C'est vrai, on parle des sommes d'argent. Attends, excuse-moi, Eric. Excuse-moi. Bipez-moi Lionel PCS, s'il vous plaît. Bipez-moi Lionel PCS. Oui, tu dis quoi? Non, il descend quoi? Il dit quelque chose. Il dit qu'Aboutou, tu n'as pas fait ce buzz là parce que nous sommes dans un combat des Libanais. Je pense que ce n'est pas ça. Si c'est ça, là, frère, tu nous vois en rêve. Hein, parce que deux jours, les Ivoiriens sont déchaînés en train de défendre notre cause qui est noble. Là. Tu es venu avec ton histoire de buzz aujourd'hui là. Que merci les panels, on essaie de Libanais, après les Libanais là. C'est de toi on tente de parler. J'espère que ce n'est pas pour nous détourner que les Libanais te donnent l'argent pour ça. J'espère que c'est pas ça. Tina. Merci. C'était ça le message, Ramos. Attends, Tina, demain là, pour mettre sujet sur Libanais, pardon. Libanais, là, j'ai fait trois sujets dessus. J'ai déjà fait trois sujets. Non, on continue, c'est un an. On dit que le gouvernement, tout le monde est derrière eux. En fait, mais je ne sais pas pourquoi on parce que attends d'abord, attends mon frère. Attends. Libanais, là, j'ai fait. Ça n'avance pas, mon frère. On va parler de ça après. On va parler de ça après. Vous êtes pardon, attends, les autres vont parler aussi, on va parler pardon. Attends, aujourd'hui, on va parler de façon d'abord, s'il te plaît. Merci. Vas-y, Eric Yassé. En fait, vous savez, nous tous là, on cherche l'argent et on continue de chercher l'argent. Vous savez. Et il y a des personnes qui sont vachement, je dis bien vachement riches. Mais quand tu connais la provenance de ton argent, là, quand tu sais comment tu souffres pour avoir ton argent, là, tu n'es pas embrouillé. Lionel PCS, vous parlez de Lionel PCS là. Vous savez, j'ai remarqué que. Oui, vas-y, mon frère. Vas-y. J'ai remarqué que nous, les Ivoiriens, on aime beaucoup le matu vu. Et on aime trop les causeries des grains. On aime bien s'asseoir là, dire celui-là, il a ça, lui-là, il a ça, sans connaître même les personnes, sans connaître même la vie des gens. On aime trop se donner les gens. Lionel PCS, là, il a commencé, lui, son mouvement des paris sportifs, là, quand. Et puis, lui, il va commencer à parier, et puis, il va avoir 200 millions. 200 millions, c'est pas 200 000 francs, c'est 200 millions. Quand on parle des transferts, quand on parle des transactions, effectivement, ceux qui disent non, j'étais en bas, j'écoutais des personnes qui disent non, payer voiture 28 000 euros cash. Quand les gars parlent de payer, vous payez voiture 28 000 euros cash là. Les gars parlent de quoi? Par le cash là, c'est quoi? C'est en liquidité. Donner, c'est-à-dire, il a 28 000 euros dans son sac et puis il vient, il donne ça à la maison de Mercedes ou même BM. Non. 28 000 euros cash, il faudrait que ça soit fait par un virement. J'ai ma carte de crédit, j'ai 100 000 euros dessus. Je viens, je paye ma voiture cash avec ma carte de crédit. Et ça passe, crème. Ça, c'est pas non, parce que c'est justifié, c'est tracé. Mais une personne qui arrive là, 28 000 euros dans son sac là, il dépose, il compte conduire jusqu'à 28 000 euros pour payer une voiture. Ça là, c'est grain. Vous pouvez, c'est doy. Vous pouvez en distraire. C'est doy. Vous comprenez? J'étais en bas encore, j'écoutais une dame qui a dit non, qu'elle est partie payer son téléphone. Et c'était le niveau iPhone 1700. Et qui est 1700 euros. On lui a pris son moins que 1000 euros. Elle est partie payer ça comment? En espèces, tu as, moi j'ai là sur moi ma carte de crédit. Je m'en vais, je paye mon en cash. Il faut payer des points de crédit. Puis celle-ci, le téléphone c'est 2000 euros, je paye cash. Ils n'ont pas besoin de me dire non, tu as payé 1000 euros, le reste, non. Je paye cash. Vous comprenez? Je paye cash. Une fois que c'est pas virement bancaire, il n'y a pas de souci. C'est quand tu prends l'argent en espèces, c'est-à-dire l'argent dans ta main. Quand on parle d'espèces, l'argent dans ta main, tu arrives à 2000 euros. Motion, s'il vous plaît, mon frère. Il s'est adressé à Montina, il a rectifié. Oui, vas-y, vas-y, ma soeur. Oui. Le monsieur nous a dit ici qu'il a payé sa voiture à 28 000 euros. Donc, moi, je dis. Je suis parti payer mon iPhone là. Ça coûte 1729 euros. Et la FNAC m'a demandé, j'ai dit je paye en espèces. Ils m'ont dit ils prennent que 1000 euros en espèces. Le reste en 4. Donc pour dire qu'on ne peut pas dépasser cette somme là à la FNAC de plus de 1000 euros. Donc lui c'est 28 000 euros dont il dit là. C'est un peu douteux. Voilà. C'est pas que je n'ai pas l'argent sur la carte, mais j'avais l'espèce de ma même 1700 euros là. J'avais ça en main. Mais eux ne voulaient pas. Ça veut dire que la CAF là, jusqu'à en espèces, c'est 1000 euros. Donc, payer une voiture ici à 15 000 euros en espèces, on doute. Donc, c'est raison pour laquelle, ma chérie. Voilà. Raison pour laquelle, si tu m'as bien écouté, j'ai dit, si tu avais les 1700 euros sur la carte, ils t'allaient payer sa cash. Mais ils ont dit, et puis ça, c'est le principe. C'est tout à fait, c'est ce qui est juste. Ils ne peuvent pas prendre, ils peuvent appeler une entreprise. Oui, on en dit la même chose. C'est la même chose qu'on dit, en fait. Voilà. Oui, en fait. Donc, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pour dire que tu peux, moi, ma voiture que j'ai, moi, j'ai acheté ma voiture à 4500. J'ai payé ça avec ma carte de crédit.